Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire l'épisode 8 du maintien. On est dans le Money Time du côté du maintien et en fait les choses sont quasiment déjà faites pour le maintien. C'est-à-dire que il n'y aura plus vraiment de surprise désormais. C'est certainement même le dernier épisode. On fera peut-être encore un épisode de fin de saison vraiment pour avoir les totaux finaux de la saison. Mais je vais un peu tuer tout le suspense. Les équipes qui sont désormais en position de relégable, maintenant, c'est fini pour elles. Il n'y aura plus de possibilité de voir l'auto l'année prochaine avec le statut de World Tour. Bon, le tour, à part si, d'un point de vue économique, et c'est important de le rappeler, à part si une des équipes qui est pour le moment dans les 18 premières se fait recaler au niveau d'un point de vue économique, parce que c'est également un critère qui est pris en compte pour le World Tour. On va voir un petit peu ce qui s'est passé sur les 2-3 dernières semaines. Je ne sais plus quand était le dernier numéro du maintien. J'ai enregistré. Bien entendu, ça ne me le marque pas, c'est toute la magie, il faut que je regarde les propriétés. On l'avait fait le 16 septembre, donc oui, il y a deux semaines, un peu plus de deux semaines. Normalement, je devais faire un numéro après les championnats du monde, mais j'ai oublié j'ai pas eu le temps de le faire, c'est même pas oublié, c'est que j'ai pas eu le temps de le faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pense que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes déçu de la relégation de l'Auto et de Israël. Et si vous êtes content que Total Energy fasse ses grands tours l'année prochaine, parce que ça c'est également la grande nouvelle de cette fin de saison. Et puis n'hésitez pas, quand vous vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir Spotify, n'hésitez pas, EPS 2.0, n'hésitez pas également à aller sur TikTok, où on fait parfois des débriefs express, des courses, ou de ce que je peux regarder comme sport à la télévision, et je regarde beaucoup de sport à la télévision. On commence tout de suite donc par les deux équipes qui ne seront pas en World Tour l'année prochaine. Ça commence avec Israël Premier Tech. Israël Premier Tech qui est donc 20e avec 13 619 points, quasiment 1000 points de retard sur la loto. C'était, je crois, à peu près. Ils ont pris encore 250 points de retard sur la loto. Oui, 200 points seulement de prix, moins de 200 points de prix en deux semaines. C'est ridiculement faible de la part de Israël. La fin de saison est mauvaise, c'est-à-dire qu'ils ont marqué des points jusqu'au Tour de France. J'avais dit déjà au moment du Tour de France que ça allait être compliqué pour Israël à partir du moment où, malgré le fait qu'ils avaient marqué pas mal de points sur le Tour de France, ils étaient toujours très loin au niveau de la non-relégation, au niveau de la 18e place. La 18e place était encore extrêmement loin. Et puis là, il n'y a pas vraiment de surprise en fait, du côté d'Israël, c'est-à-dire qu'il en manque, tout simplement. L'effectif pas suffisamment bon, et ça on en a parlé, des coureurs qui n'ont pas performé dans cet effectif, parce que notamment Nizzolo n'a pas marqué beaucoup de points, et pourtant le recrutement de Nizzolo était important. Le recrutement de Dylan Tuns n'a pas changé grand chose, vu que Dylan Tuns il avait fait un gros début de saison, donc un petit peu rincé, un petit peu fatigué Dylan Tuns. Et puis de toute manière l'écart était trop important, c'était pas un seul mec qu'il fallait recruter, c'était au moins 4 ou 5. Et puis il fallait recruter Remco Evenepoel pour qu'il gagne un grand tour pour récupérer ce retard-là du côté d'Israël. Donc la situation était déjà très mal embarquée fin juillet après le Tour de France. On s'aperçoit, le problème, c'est la saison 2020. 2358 points seulement de marqués en 2020. Ce n'était pas suffisant sur cette année-là pour aller chercher le World Tour. Et au final, même Total n'est pas très loin de cette équipe. Et puis en 2022, ils ont marqué 4500 points, mais ce n'est pas suffisant non plus, 4500 points, parce qu'on voit que c'est largement moins que Lotto, que Arkea, que Cofidis. C'est même moins que EF, c'est moins que Bike Exchange, c'est quasiment le même score que DSM, mais sauf que DSM avait beaucoup plus de marge en début de saison, vu que DSM avait marqué 7583 points en 2020 contre encore une fois 2500, donc il y avait 5000 points d'écart sur l'année 2020, ce qui est énorme. C'est dommage pour Israël. Après, est-ce que je vais pleurer
pour Israël. Faut pas déconner non plus. Pour moi, cette équipe est, bon, est venue là avec de l'argent. La passion du cyclisme, c'était pas trop ça. C'était surtout pour mettre en avant le pays. C'était pour mettre en avant Israël. Ce qu'ont fait d'autres pays avant, hein, les Émirats, Bahreïn, Astana était déjà une équipe pour mettre en avant le Kazakhstan. Sauf que moi, j'ai jamais été très fan de ce type de situation. Et puis, en plus, derrière, il y a eu tellement d'erreurs de recrutement, de gestion, d'effectifs du côté d'Israël que oui, bah, ça fait beaucoup pas assez de points. La Loto, 19e, 14 603 points. Les deux dernières semaines n'ont pas été fantastiques pour la loto. Hein. Seulement 400 points de marqués pour la loto. C'est là où la différence est vraiment faite. Hein, parce qu'on a désormais 1080 points d'écart par rapport à la 18e place. Alors qu'il n'y en avait que 708 il y a deux semaines. Ça ne s'est pas extrêmement bien passé pour la loto. Pas mal de chutes, notamment Arnaud Delis. Lors du tour des... C'était la classique des Ardennes. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Normalement, on doit la débriefer parce que je dois la regarder. Alors, avec un petit peu de retard, mais la semaine... enfin, cette semaine, on va débriefer beaucoup, beaucoup de cyclisme sur la chaîne. On va vraiment essayer de ne pas rater, de rater aucune course de cette fin de saison. Et du côté de la loto, bah, de toute manière, là aussi, hein, ça commence à être compliqué. On l'avait dit il y a deux semaines, il fallait quand même marquer quasiment 1000 points. 1002 aurait été vraiment bien. Il restait 15 jours, enfin un mois de saison, c'était très compliqué. Bah, ils n'ont pas marqué suffisamment de points pour aller chercher ce score. Et puis surtout, bah, EF et Bike Exchange, eux en ont marqué dans le même temps. Donc EF en a marqué pas mal et on s'aperçoit que l'auto, bah, il a manqué Caleb Ewan. Ça, c'est clair et net, mais même avec Caleb Ewan, ça aurait été compliqué. Parce que Caleb Ewan, allez, s'il avait gagné deux étapes sur un grand tour, ça faisait 200 points supplémentaires. Bon, bah, t'étais à 14008, 14900, t'étais toujours pas à 15600. Il aura manqué aussi peut-être un Steph Kras qui faisait peut-être 10e ou 11e, mais là encore, ça t'aurait fait marquer 150 points peut-être, grand maximum, Steph Kras sur un grand tour, c'était pas suffisant non plus. Peut-être que l'auto peut avoir des regrets qu'il y ait eu le Tour de Suisse pour EF, qui a énormément aidé EF, hein, la quatrième place d'Anderson Poles sur le Tour de Suisse. Mais de toute manière, pour l'auto, je pense que Tim Wellens également n'a pas marqué énormément de points non plus. Il aura manqué des gros stars, hein, l'auto. L'avantage, c'est qu'ils ont quand même marqué 6600 points, donc ils sont assurés de faire les grands tours l'année prochaine. Donc, ils auront un petit peu le même statut l'année prochaine que Alpecin, c'est-à-dire l'avantage du World Tour sans les inconvénients. Ce qui est peut-être pas plus mal pour l'auto, vu la qualité de l'effectif, mais c'est vrai que cette année, l'effectif n'était pas suffisant pour aller chercher, pour rester en World Tour. Et malgré la victoire, notamment de Thomas Arendt sur le dernier Tour d'Italie, la victoire d'étape, tu vois que bon, ouais, il leur manque 1000 points. 1000 points, c'est énorme, hein. C'est une victoire sur un grand tour, 1000 points. Donc, il n'y a pas eu vraiment match. Derrière, bah, Arkea arrive à rester en World Tour malgré les petits soucis de Nairo Quintana. Nairo Quintana qui ne devrait pas rester hein, chez Arkea en passant, mais qui devrait rester dans une équipe française. Alors, on ne sait pas qui, peut-être AG2R, peut-être Cofidis. Semblerait que ce soit une équipe française World Tour. Donc, AG2R semblerait tenir la main. Sauf que bon, pour une équipe française, Quintana, il y a quand même le problème de quelques affaires quand même de dopage qui lui sont tombées sur lui ou sur son entourage sur les 2-3 dernières années. Sa réputation en a pris un coup, mais j'aurais plutôt vu revenir chez Movistar, vu qu'il semblait avoir bonne presse chez Movistar et que c'est un coureur qui a toujours été apprécié par l'effectif et que la perte de Nairo Quintana avait un petit peu attristé le dirigeant de Movistar à un moment, mais bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Et puis en plus, avec le départ de Valverde, on sait que Quintana et Valverde, c'était peut-être pas forcément les deux meilleurs amis au monde. Quintana ayant toujours reproché à Valverde de monopoliser, on va dire, les intérêts de l'équipe. Et de ne pas laisser assez de place à Quintana, à son statut de leader. On continue donc Arkea qui est à 15 683 contre 15 158, hein, donc quand même 500, un peu plus de 500 points de marqué sur deux dernières semaines. On s'aperçoit quand même que le maintien
pour l'année prochaine se jouera, enfin pour l'année prochaine, pour la prochaine session, dont on commencera à suivre dès l'année prochaine. On essaiera de faire l'année prochaine un épisode par mois sur le classement UCI, sur les deux premières années, de faire un classement, un point par mois sur le classement UCI. Donc à partir de février jusqu'à octobre, donc de faire une vingtaine de vidéos et puis d'accélérer le rythme lors de l'année 2025, si la chaîne est encore en vie. Mais normalement, ça devrait encore être le cas. Mais du côté de l'auto de Arkéa, on s'aperçoit quand même qu'il va falloir trouver un leader pour l'année prochaine, parce qu'il faut quand même donc être aux alentours de 16 000 points, c'est-à-dire qu'il faut marquer plus de 5 000 points par an pour s'en sortir. Hein. Ça veut dire qu'il faut quand même un petit peu cravacher pour aller chercher les 5 000 points par an, parce que là, il y avait l'année 2020, où beaucoup d'équipes ont marqué un peu moins de points. On voit que par exemple Arkéa était à 3006, Cofidis était à 2008, mais une année pleine, c'est 5000. Donc il ne faudra pas être en dessous de 6000 par an. Donc ça veut dire que 3 x 6, 18. Je pense que la qualif en 2025, s'il n'y a pas de Covid, s'il n'y a pas un truc qui nous retombe sur la gueule, une guerre mondiale ou je ne sais pas quoi, normalement ça devrait jouer entre 17 500 et 18 000 points pour le maintien. Donc il faudra marquer 6000 points par an. Donc pour certaines équipes, il va falloir quand même cravacher. Cofidis 17e, 15007. Cofidis qui s'en sort, parce qu'au départ, je rappelle qu'en début de saison, Cofidis était dans la zone rouge. Et Cofidis a réussi à s'en sortir. Très gros début de saison de la part de Cofidis. Les points là depuis quelques temps de Guillaume Martin sur les classiques italiennes, ou même Ruben Fernandez qui a marqué des points, un top 10, ça fait des points sur les classiques d'un jour. Hein. Et puis les Coupes de France, hein, c'est vrai. Brian Coquart qui a marqué pas mal de points également, quelques points sur la Vuelta aussi. Au final, ça les aide énormément. Plus la victoire de Rezou Serrada. Voilà, ça leur permet à Cofidis d'être 17e. EF, 16e, ils s'en sortent vraiment, je dirais pas d'un poil de cul, mais le Tour de Suisse les aide énormément. Parce que Rigoberto Urán aussi a pris quelques points en cette fin de saison, mais il y a quand même des coureurs qui n'ont pas été à leur niveau. Bon, Esteban Chavez, on l'a très peu vu, par exemple. C'est vrai que chez EF, il leur a manqué un sprinter. Il faut vraiment qu'ils trouvent un sprinter. Bon, on parlait de Cavendish, peut-être, mais il faut qu'ils prennent un sprinter. On ne peut pas se contenter de Kurt Nielsen, ça c'est clair et net. Ça passe quand même de pas grand-chose, ce qu'il faut se mettre dans la tête du côté de EF. Bike Exchange, 15e. Grosse deuxième partie de saison hein, pour Bike Exchange, un peu comme Movistar. Notamment, il y a eu du grand Michael Matthews. Vous avez Caden Grove aussi qui a marqué des points. Ce qui leur a manqué pour se sauver un peu plus tôt, c'est Simon Yates, qui sur les grands tours n'a pas été performant, mais qui avait fait un gros début de saison, notamment avec Paris-Nice du côté de Simon Yates. Voilà, il leur a manqué peut-être quelques coureurs performants, mais je trouve que c'est une équipe qui a la capacité de se maintenir en 2025. S'ils arrivent à trouver 2-3 petites pépites chez les jeunes, ça sera un peu plus facile. DSM, c'est une équipe qui m'inquiète quand même pour l'année prochaine, pour 2025, pour rester en World Tour, parce qu'on voit que ils avaient énormément d'avance. Hein, ils étaient au niveau d'AG2R en début de saison. Ils finissent au niveau de Bike Exchange. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 3-4 positions quand même au cours de l'année. Seulement 4531 points de marqué. Seul Astana a fait moins. Astana a fait 3008 cette année. Heureusement qu'il y a eu Luchenko les années. Heureusement qu'il y a eu les grands tours quand même pour Astana. Hein. Parce que Astana, ils ont été sauvés par les grands tours. Et j'ai appris que Astana est l'équipe qui a utilisé le moins de coureurs sur les grands tours, seulement 16. Donc tu vois qu'il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas au niveau hein, chez Astana. Il va falloir que le petit Fedorov, là, qui a été champion du monde espoir, il soit vraiment très bon pour les aider là, du côté de chez Astana. Pour revenir chez DSM, trop de turnover dans cet effectif. On n'arrive pas à garder les pépites et on n'arrive pas à garder grand monde, même chez DSM. Alors, ils arrivent toujours à trouver des jeunes. Je pense notamment au petit Henny du côté de la Crow Race ou d'autres coureurs. Mais il va falloir qu'ils arrivent à stabiliser leur effectif. Ça sera leur grosse priorité s'ils veulent conserver des points pour les années d'après. Puis, il ne va pas falloir que les leaders se plantent hein, du côté de DSM.
Movistar, bah, ils finissent très fort, mais on s'y attendait. La surprise, ça a été que ça mette autant, qu'ils mettent autant de temps à sauver, parce que normalement, ils avaient la qualité d'effectif pour se sauver beaucoup plus tôt du côté de Movistar, mais ils finissent fort. Ils sont à 16 308 points, 6699 en cette fin de saison. C'est mieux qu'en 2021. Ce qui a été compliqué pour eux, c'est l'année 2020 où vous avez fait vraiment une mauvaise année avec 2953 points. Pour l'année 2022, pour les wildcards, eh bien, ça va être pour Lotto et Total qui sont aux deux premières places pour la saison 2022. Total qui a 1000 points d'avance sur Israël, donc là aussi le classement est fait. Et puis au niveau des avant-postes, hop, 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 je remonte, je ne sais pas si j'ai tout le monde. Hop là, si j'ai quasiment tout le monde, hop, si je redescends, si je bouge mon icône comme ça, peut-être que j'arrive à voir tout le monde. Oui, ça s'arrête à Astana. Bon, on n'a pas Astana, mais ni à G2R, j'ai envie de dire. Là, comme ça, c'est mieux. J'arrive à voir à G2R. Oui, j'ai à G2R, c'est presque miraculeux. Si on regarde les top équipes, Jumbo devant, énorme saison 2022 quand même de la Jumbo avec 14 532 points sur l'année 2022, c'est-à-dire 1500 de plus qu'en 2021 et largement plus qu'en 2020, mais 2020 était une année atypique. Quickstep, les classiques de début de saison leur ont coûté extrêmement cher et malgré la victoire, malgré les points qu'a apporté Remco Evenepoel, parce que Remco Evenepoel c'est quand même victoire sur un monument, victoire sur la Classique à Saint-Sébastien, victoire sur le Tour d'Espagne et champion du monde. Donc ça a apporté énormément de points, notre ami Remco Evenepoel. Et bien malgré les points apportés par Remco Evenepoel, ils font quand même 5000 points de moins que l'année d'avant. C'est le même score quasiment à 200 points près que 2020, sauf que 2020 il y avait beaucoup de moins de courses. Ça montre bien que du côté de Quickstep, les Flandriennes de début de saison leur ont coûté très très cher parce qu'ils ont pris beaucoup de retard à ce moment-là. Qu'au niveau du sprint, ça n'a pas été si fou que ça. Jakobsen a certes gagné pas mal de courses, mais pas forcément des courses qui va rapporter énormément de points non plus. Et qu'il y a quand même quelques coureurs qui ont été en dessous de leur niveau en termes de performance. Ineos 12 000. Moins que l'année dernière également pour Ineos. Ce qui est fou, c'est qu'Ineos, ils ont bien performé sur les classiques, mais alors ils ont très mal performé sur les grands tours. Enfin, très mal. Moins que d'habitude. Pas de victoire sur les grands tours, ce qui est une première depuis 2014 pour Ineos. On rappelle qu'en 2014, il y a eu la chute de Chris Froome sur le Tour de France. Troisième place pour Geraint Thomas. Mais on a l'impression quand même que chez Ineos, il y a des trucs qui se trament. Il y a des choses qui se préparent en interne au niveau du staff. Je pense que des têtes vont sauter parce que les grands tours, c'est quand même ce qui a fait la force d'Ineos et que le patron d'Ineos, qui est également le patron du club de Nice en football, de l'OGC Nice, c'est pas un mec sympathique, hein, demander à Lucien Favre, notamment l'entraîneur suisse, qui a jarté du côté de Nice. Et du côté d'Ineo, je pense qu'il faudrait peut-être rajeunir ou changer un petit peu de trois personnes dans le staff. Donc je pense qu'il y aura pas mal de changements dans le staff parce que c'est vrai que la première partie de saison a été vraiment très bonne sur les classiques et la deuxième partie de saison, ça a été un peu moins ça. Et puis il y a des coureurs qui n'ont pas fait fermer, notamment Viviani, ça n'a pas marché. On s'attendait à une relance de Viviani, ça n'a pas été bon. Puis d'autres coureurs qui n'ont pas été très performants chez Ineos cette année ou qui n'ont pas réussi à être constants sur la saison surtout. UAE, 32 971 points sur les trois dernières années, 12 000 points cette année, c'est quasiment le même score que l'année dernière. Si tu prends en compte qu'ils n'ont pas remporté le Tour de France, c'est plutôt pas mal de la part de UAE. Ça veut dire que ça a bien performé aussi sur les classiques. Bora, qui a un peu calé sur la fin d'année, hein, Bora. C'est vrai qu'ils avaient très bien démarré, notamment grâce à GND sur le Giro. Ça a été un peu plus compliqué en fin de saison. Malgré tout, c'est leur meilleure année par rapport à 2021-2022. C'est 1300 points de plus qu'en 2021. Et puis Bahrain Victorious, là, 2000 points, un peu moins de 2000 points. Je pense qu'il y aura 1200-1300 points de retard par rapport à 2022 pour la Bahrain Victorious. Colbrelli,
leur a manqué. Et puis Caruso qui n'a pas été incroyable, malgré le fait que Jonathan Milan, par exemple, a marqué pas mal de points en fin de saison. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu le rythme de l'année dernière. Mais encore une fois, l'année dernière, ils avaient été très performants à partir de mai jusqu'à octobre et Paris-Roubaix. Ça avait été compliqué sur le début de saison. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu la dynamique qui s'est enclenchée du côté de la Bahreïn. La Groupama, 7e avec 21 156 points. Donc, première équipe française, la Groupama. 8000 points de marqués cette année. C'est plus qu'en 2021, c'est plus qu'en 2020. Pour la Groupama FDJ, c'est quasiment 2000 points de plus que l'année dernière. Du très bon Arnaud Démare, David Gaudu qui a été performant, du très bon Valentin Madouas, et puis ne pas négliger également les deux victoires d'étape de Thibaut Pinot. Alpecin Phoenix, 20 804 points, donc derrière. Moins bien que l'année qu'en 2021, pourtant ils étaient à peu près au même niveau sur le début de la première partie de saison 2022, mais la deuxième partie de saison a été un peu moins bonne du côté d'Alpecin, Phoenix, notamment Tim Merlier qui n'a pas vraiment performé sur la Vuelta, et puis un Van Der Poel un peu moins bon quand même sur cette deuxième partie de saison 2022. Si on ne prend en compte que le sportif, ça a été quand même moins bien pour Van Der Poel, et oui, un petit peu moins intéressant malgré Jevine. Ça a été un peu plus compliqué pour Alpecin. Trek Segafredo 9e, je pense que c'est une équipe qui serait capable de faire mieux. On s'aperçoit que 2020, 2021, 2022, à 200 points près, c'est le même score. Donc quand tu fais quasiment le même score qu'une année Covid, c'est que tu es capable de faire mieux. Je pense que c'est une équipe qui a certes un effectif vieillissant, mais vu les moyens qu'a Trek Segafredo, normalement c'est une équipe qui devrait réussir à marquer plus de points. Et puis Intermarché, là c'est plutôt l'inverse. Énorme saison d'Intermarché, 10 130 points. Pour vous faire une comparaison, c'est plus que Quickstep, 10 130 points. Quelles équipes sont devant? Il n'y a que deux équipes, il n'y a que trois équipes pardon, qui sont devant le score d'Intermarché. C'est Jumbo, c'est Ineos, c'est UAE. Quand vous connaissez l'argent qu'a Intermarché, vous vous dites que cette année, ils ont fait une très très grosse saison exceptionnelle de la part de Intermarché. Alors déjà, l'année dernière, ça avait été très bon avec 6000 points. Cette année, 10 130. Là, c'est encore un cap au-dessus du très bon Guirmeil, mais pas seulement du côté de l'effectif d'Intermarché. Ils ont réussi à performer tout au long de la saison, des victoires sur les classiques. Enfin voilà, ça a été très bien, notamment Taco van der Horn, mais pas seulement du côté d'Intermarché qui a performé. Hugo Page également, qui a apporté pas mal de points dans cette équipe. AG2R, donc 11e. AG2R, il faudra réfléchir à ce qu'on veut faire dans les années à venir chez AG2R, se concentrer sur les courses à étapes ou essayer de persévérer dans les classiques flandriennes. Mais pour l'instant, c'est vrai que 6500 points, alors un peu moins que l'année dernière. L'année dernière, il y a eu la 4e place quand même sur le Tour de France de Ben O'Connor, ce qui n'a pas réussi à faire la même chose sur la Vuelta. Du côté d'AG2R, le Tour de France a été compliqué malgré la victoire de Bob Jungels, mais c'était pas non plus catastrophique du côté de AG2R. Mais c'est vrai qu'il y aura une vraie réflexion à avoir en cette fin d'année. Dans quelle vision sur l'avenir on veut d'AG2R? Est-ce que c'est plutôt les courses par étapes ou les classiques flandriennes? S'ils veulent vraiment miser sur le classique flandrienne, je pense qu'ils devront changer des personnes du côté du staff de cette formation. Je crois qu'on a fait le tour complet du côté de cet épisode du maintien. Donc encore une fois, peut-être qu'il y aura un dernier épisode pour faire les totaux finaux, mais un épisode qui sera extrêmement court. Et puis l'année prochaine, sinon on se retrouve l'année prochaine si vous êtes fan du maintien, parce qu'on fera un point, on essaiera de faire un point tous les mois l'année prochaine du classement UCI et de savoir où on en est par rapport aux 6000 points à la fin de saison, parce que ça sera très important. Les 6000 points qui, voilà, encore une fois, je pense que le maintien en 2025, à part problème, devrait jouer aux alentours de 18 000 points. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.